Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de RimWorld, épisode de je sais plus. Je sais plus. J'ai chargé la bonne save? Oui, j'ai dû charger la bonne save. Ah, celle du stream, on peut la supprimer. On est quel jour là? On est samedi, c'était hier soir le stream. Je tourne un peu vite, donc j'ai pas tous vos commentaires, je suis désolé, mais je prends de l'avance pour la semaine pro vu que je suis pas là. Chargé. On s'est fait tabasser le fion sur la saison du stream. C'était une fin, un carnage gros. Mais bon, tout le monde est mort. C'est bien marré, c'est le principal. On va recommencer. Alors, ça marche. On en était où? Alors déjà, je vais changer quelque chose tout de suite. Snows, je suis désolé gros. J'ai remarqué ça après, tu me l'as même pas fait remarquer. Et t'es gentil. C'est vrai que si tu m'avais pas dit que tu voulais Snows, tu m'as dit que tu voulais Zorka. Hop là. Ensuite, Westna qui m'a dit que les chemises et les manteaux, d'ailleurs vous étiez plusieurs à me dire ça, je crois que j'avais balancé, j'avais pas mis compter les équipés comme d'habitude. Le con. On va vérifier tout le monde. Effectivement. Vous avez toujours raison, c'est incroyable. Vous êtes bon. 51. Vous m'avez bien rassuré dans les commentaires. Merci à vous. La saison vous plaît. J'ai pas oublié que deux. La saison vous plaît quand même et ça fait plaisir. Ok, je crois que c'est tout bon. Ouais, le reste on avait fait. Ok, donc ça, de toute façon, ils sont full équipés, on a tout ce qu'il faut. Fabriquer un manteau. Ah oui, on en a fait un peu plus du coup. Oui. Bordel, le con. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Alors. Oui. J'avais un petit peu avancé hors vidéo. J'avais refait un peu cet endroit-là. Et je crois que c'est tout ce que j'avais vraiment fait. On avait farmé un petit peu de bois. Mais oui, j'avais refait tout ce long-là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des bouts de carrière là. J'ai dû mettre un pilier là pour tenir. Il y avait des bouts de trucs et tout. C'est là où on avait fait les prisonniers. Donc j'ai tout refait propre. On a bourré. Là, on a ouvert. Parce que comme on m'a dit, il y avait un trou là. Mais ça, c'est vrai que je l'avais déjà remarqué. D'ailleurs, il faut que je mette de l'éclairage dans tout ça. On va s'en occuper tout de suite. J'avais passé mes câbles quasiment. Quasiment, quasiment. Là, on était bon. Je me suis complètement planté sur ça. Quel con. Je suis vraiment le roi des imbéciles, hein, par contre. C'est vrai que j'en parlais avec Cora, en fait, c'est bien de faire une cuisine séparée d'une boucherie. Parce que la boucherie, t'as moins de risque de contaminer tes plats si les deux sont séparés. Donc en gros, faut que je fasse péter un mur là, quoi. Ah ouais, mais c'est pas kiff-kiff. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment on va faire? Je vais devoir agrandir. Je vais devoir agrandir. Et j'avais fini les chambres. J'avais mis tout le monde. Je crois que tout le monde a une chambre. Voilà, il me reste une chambre arabe. J'avais pas bourré tout le bois. Il nous reste 3800 de bois, donc j'avais pas trop trop bourré non plus parce que j'avais pas fait les commodes. J'ai mis deux pots de fleurs à Cora pour qu'elle soit heureuse et qu'elle perde son truc. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, sa chambre est légèrement impressionnante, donc un peu plus que les autres. Elle est contente. À manger sans table. Attends, je vous ai mis une gigatable. Et la chaleur, je crois qu'on arrivait à peu près à tenir. Il fait 20, 20, 21, 20, 20. Sans feu de camp. Donc juste à l'électricité, c'est plutôt cool. On est bien, on est très bien l'électricité. 7 colons inactifs, ouais, c'est un peu, on se la touche un peu. Je crois que j'avais chassé le Megatorium. Je sais plus. Garde ce qui m'a dit que j'avais mis les clims à l'envers dans l'entrepôt. Alors oui, effectivement. Je les ai inversés. Je crois. Mais je crois que oui, je m'en étais rendu compte hors vidéo aussi. Je viens de vous rôter la gueule là, désolé. Je sors de table. Désolé, je vous aime. Et Cora, ouais, donc cuisine et boucherie séparées, là où je me suis bien planté, où j'ai dit que je la referais, que j'ai complètement foiré. On va agrandir un tout petit peu de 1. Bon, on va s'agrandir tout le bâtiment de 1, je pense. Bâtiment. En termes de pierre, on a quoi de bien? On a beaucoup de marbre. On va continuer les murs extérieurs en marbre, et on fera les murs intérieurs. Non, les murs intérieurs en marbre, et les murs extérieurs en granit. Que j'avais commencé à faire, il va falloir renforcer tout ça, pareil. Peut-être un chouïa emballé ici. J'ai renforcé aussi là, ça m'inquiétait. Il n'y avait qu'un bout de bois dégueulasse. Ok. Ah bah on va juste faire ça. Bam, juste de 1. Ça me mettra à la place de mettre un deuxième mur là. Oh, on peut augmenter un tout petit peu. Après j'ai déjà un grand frigo. Un grand frigo. J'ai dû réactiver les clims aussi dedans. Parce que dehors il fait 2 degrés. Et pareil, on m'a dit. Je sais plus qui m'a dit dans les commentaires, j'aurais dû mettre une ventilation. Comme ça. Parce que celle-là, on peut les ouvrir et les fermer.
Ouvrir fermé. Et comme ça, l'hiver, j'aurai ouvert. Donc, c'est sûrement ce que je ferai plus tard. Voir tout de suite. Voir tout de suite. Ouais, pas mal. Espérons que ça marche bien. Et est-ce que je augmente de plus? Là, on va bouffer sur le champ. Pardon, je prends un peu de temps, mais on n'est pas pressé. C'est la saison tranquille. On prend un peu de temps pour tout faire, pour faire les choses comme il faut. Là, lui, je vais le décaler de 1. Donc, je vais devoir décaler mes portes. Il faudrait que je le remonte de 3. En vrai, je pense que je vais le remonter de 3. Ce qui va me faire un très grand frigo. Et du coup, une plus grande salle là. Mais j'aurai de quoi faire des jolies cuisines. Ils auront de la place et ils seront plutôt bien équipés. Ouais. Ouais. On va bouffer un peu le champ, mais... 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, je gagne 3 parce que celle-là va sauter. Ok. Alors c'est le jeu, en plus il est en train de se la toucher, donc ça tombe très très bien. On va pas la centrer. Couchez vous le fion les potes. Et du coup ça se passe très bien parce que pour une fois je vous ai écouté. Du coup j'ai fait très rapidement les parkas et les bonnets. Et du coup bah ils craignent pas le froid. Et vu qu'on a eu la géothermie, on a un peu bourré, on n'a pas fait grand chose d'autre, mais. Ah, j'ai une navette, ok cool. Cool. Qu'est-ce qu'on a? On a du cadavre, on a du bien mort, on a du pas trop mort là. Misogyne, nerveuse, recluse, aimable, délicate. Waouh, gros. On va juste la se pourrir, écoute, ça fera peut-être. De me remettre dedans parce que je me perds un peu, surtout que là vraiment hier soir j'ai joué sur l'autre saison en live, donc j'avoue que je me perds un peu. Ah ouais, fallait que je vire ce truc de caméra plus là, on avait vu hier. Non, option de mode caméra plus, ah mais non c'est bon en fait, non c'est désactivé que quand j'arrive vers. Oui, non, ok. J'avais désactivé ça parce que je commençais à voir, mais quand je te dis des tonnes, ouais, 14 000 d'acier, gros, la carrière. Donc pareil, j'ai désactivé. Même si là, on s'en fout un peu, les ressources, on peut un peu les avoir en abondance. Le but, c'est pas de... C'est de survivre et de faire évoluer notre colonie le plus possible. Ok, alors. Et moins 6 dehors, donc celle-là, on peut les laisser ouverts, je pense, pour l'instant. Quoique, on s'en fout tant qu'il fait pas vraiment en dessous de moins 10. Là, ça, c'est fermé. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer par démolir celui-là. Installer le câble électrique. Merde, installer le réseau électrique aussi là-dedans. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Et vu qu'ils se font un peu chier, on va en profiter. Alors oui, pareil, je vous ai pas dit. J'ai eu le pop. Le prochain biome démarrait et on est en jungle tropicale. Donc ça va, on a de la chatte, on est super bien. On est plutôt super bien. J'espère que ça va pas trop éclater les frigos là de faire ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait, imbécile. Ah, ça va, ils sont beaucoup dessus à boss. Ah, mais non, mais ils enlèvent pas les murs, du coup, c'est parfait. Ah oui, mais ils me font ça au lieu de me... Roulement de terre, ok. Pas d'impact sur nous. Ça peut être détruire des bâtiments, je crois, le tremblement de terre. On n'a pas encore les... Merde. On n'a pas fait les... portes automatiques. Je sais même pas ce qu'on vient de rechercher, j'ai même pas vu. Attends, qu'est-ce qu'on a... Ah, c'était quoi qu'on vient d'apprendre? J'ai pas radé. Je sais plus sur quoi on était. Grain habilitation. Ah oui, j'avais bourré un peu des trucs à la con, on va faire les armures de plate. Ok.
On a combien de monnaie? 2000 balles. On n'est pas pété, hein. Rien que ça nous coûterait 1300. Et si je faisais le tout, 2002, j'aurais même pas assez d'argent. Je vais peut-être le faire dans la cuisine, mais le frigo, on va le laisser en bois pour l'instant. Pas très joli. J'avoue tout. Le sauvetage à d'animal. Il peut librement vous rejoindre notre colonie ou retournera vivre à l'état sauvage. C'est quoi? Ayuski. Ah. Oh. C'est qui notre. Il faut quoi? Un dresseur ou un doc là? La mage noire. Mage noire, t'es où mon gros? Achevé. C'est quoi? Impossible qu'une couche pour animaux n'est accessible. Et. On va s'en mettre une petite ici. Comme ça. On va le rejoindre le con. J'avais dit qui? J'ai déjà oublié. Mage noir. La saison été vient de commencer. Ok. Très très grand frigo du coup. Ah ouais, mais je repars sur un très très grand frigo. Sauf si, ouais, si je vais peut-être faire autre chose. Okay. Peut-être un peu précipité. Le chien, je peux rien. Ouais, social et tout. Non, ça tabasse. Elle, non, on veut pas la recruter. On veut juste qu'elle se soigne et qu'elle se barre. Ouais, non, elle est vraiment pas nerveuse. C'est le critère plus 8% misogyne. Elle n'aime vraiment pas les femmes. Il y a que ça quasiment. Elle est recluse. Moyen de personnes dans la faction, nous on veut une grande grande colonie justement pour une fois. Un niveau un peu le fion sur ça. Ouais, merci. Voilà. On est pas mal. Calme-toi. Comment je leur bosse. Daniel Scrooge vous rejoint. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va le dresser à tout, le clébard, ça peut être intéressant. Ok. C'était quoi ce bruit déjà? Je me souviens plus. Il met le jeu en pause. J'ai oublié. Je pense que c'est des choses. Un petit fort pour les femmes. Ah! Le niveau du drone est fort. Ouais, ok. Il y a rien à y faire. Ça me va. Alors.
2, ça suffit pour celui-là, je pense. Ok, c'est déjà à moins 9, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Dehors, il fait moins 2. Alors, je voulais réagrandir ça, du coup. Un peu plus grand pour qu'il puisse poser les cadavres de bêtes, quand même. Même si on pourrait se mettre des... Ouais. Ok. J'aime notre frigo. Notre frigo est honnête, je trouve. On va faire passer l'électricité. On prend le temps de faire les choses propres. On va essayer de se faire quelques missions, du coup. C'est ce qu'on en a, là. Actuellement, désactive. Non, on a que le voyage vers les pôles, ok. En même temps, ouais, on... L'air glaciaire, c'est compliqué. Chef-d'œuvre, monsieur papa a créé un crochet à viande en métal, c'est une merveille. Incroyable, monsieur papa. Chef-d'œuvre aussi, pour B-Boy. Incroyable, les potes. Merde. En face, voilà. Ah mais là du coup ça me donne envie de faire la totale quoi. Ça me donne envie de faire la totale. Comme ça le frigo on n'y revient plus, il est fait. Et ça c'est insultant en passant, on a tout vu. Attends ouais mais... C'est fait, c'est fait. On n'y revient plus sur le frigo, il sera fait, il sera beau. On n'aura plus qu'à déplacer 2-3 trucs, à rajouter du stockage s'il y a besoin, mais... Dominique a échoué dans la construction de carrelage spectarien. Des ressources ont été gaspillées, c'est pas grave, gros. Personne t'en veut, mon lapin. Ok, remettez-moi un tout petit bout de carrelage ici, histoire de dire. Détective, sauver Mercado. Oh putain, est-ce qu'on n'ira pas sauver Mercado? 73 ans? Et casse-toi, Mercado. Casse-toi. Alors, je suis désolé, pote, hein. Faut qu'on nous propose des trucs intéressants quand même. 73 ans, touche pas à ça. Call for you. Bah pourquoi? Parce que t'as froid? Bah casse-toi, je sais pas, fais ta vie, personne ne t'aime, toi. La relou, là. Par contre, on peut peut-être... Ça joue un peu plus roleplay, quand même. Qui se fout sur la gueule? Iba et... Iba JM. Ça va. L4, B-Boy, on vous voit. Un colon a besoin de soins. Oh. Oh là, la tabasse est quand même. La tabasse, il va. On a des docs qui vont s'en occuper. Ok, ici, cuisine. On part sur un nouveau délire. Ouvrez ici, les potes. Ok. Lui, il est relié. Ouais, mais lui, ça sert à rien. Lui, c'était vraiment que de la déco. C'était vraiment que de la déco. Donc, ça sert à rien sur les établis de boucher. Les établis de boucher, on va la mettre une statue ici. Ainsi que peut-être une caisse. Les caisses, ça marche sur eux. Divers. Alors. Ça marche... Ouais, si on le verrait. Donc non, ça marche pas sur eux. Donc on peut pas accélérer le truc, sauf si j'ai mis le mode. Forgeron, évier. Donc ouais non, mais pour l'instant non. Ça se trouve jamais. Le barbier, qu'est-ce que je fous?
Ok. Alors, mettez-moi ça comme ça. On mettra juste de la déco dès qu'on pourra. On va leur mettre quand même le petit... C'est un peu moche là. Okay. Maladie animale, grippe. Un con de chien qui va d'arriver, il a déjà la grippe. Légère. On va essayer de le soigner comme ça, on verra bien. Ok. Et là, du coup, je remets un mur en marbre là. Comme ça. Comme ça, 4 de déco de chaque côté. Ils ont une belle boucherie. Oh, c'est assez grand. On n'est pas obligé non plus de forcer sur la boucherie, quoi. Voilà, 2 de déco dans la boucherie, on sera déjà honnête. Ouais, ça sera déjà pas mal. Il faudrait faire plutôt comme ça. Comme ça. Là. Là. Une porte là. Une porte là. Ok. On déplacera le frigo. Je sais pas ce qu'on pourrait foutre ici. Une salle à batterie peut-être. On verra. Là après, faut tout que j'aménage. Il y a pas... On va se mettre comme ça en attendant, histoire de pas se choper une dinguerie. Go. Nickel. En vrai, on peut laisser comme ça, hein. Oh mais t'es... Mais t'es pas à nous elle. Oh on s'en tabasse. Ok ça me paraît honnête. Le frigo est sympa. Ça on mettra 2 petites décos. Là on mettra de la déco mais ici ici ou pire. Par contre il me faudrait de la ventile. Faire de la ventile. Toi, il faudrait qu'on te déplace ici. Ou. Ok, là. On met un mur là. Il manque peut-être un chouïa de... lumière, effectivement, dans ce couloir. Mieux. Je vais pas demander pour Toto ? Je vais me rater. Ok. Ok, 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 ok. Ça me paraît honnête. On va terminer avec le sol. Là, on est d'accord que je peux pas. Hein. Et... oh, vas-y. Et tout ça sera remplacé par les portes automatiques, évidemment, à un moment. Fais-moi un bout de bois, là. Bon, on aura plus de pognon, mais écoute.
Ah, la sauvegarde auto de mort. Ouais, vas-y, ça me permet de mettre. Non, je fais la chaise. Ce petit épisode de l'aménagement des eaux. Hein. Ok, bon, ils auront de quoi bouffer bien. On va refaire le pareil, terminer le salon un peu propre quand même. On aurait pu faire plus joli, mais écoute, c'est pratique. On a pas eu trop de modifs à faire. On a une salle en plus, alors je pense qu'on fera plutôt la bière en fait ici. Quand on aura de quoi en faire. Ça, je vais bien, ok, lui machiner le truc. Non, on est bien, on est bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Dès qu'on achète la porte automatique, on les change toutes en porte auto. C'est la fiesta. C'est la fiesta. Eh. Est-ce que la fiesta. Ça va tout annuler. Elle sera pas ici. Non, c'est trop tard. C'était parti là-haut. Le chien est mort. Le chien est pas mort. Le chien, tout va bien. Le chien se repose. Bière manque de place. Ah oui, oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Mais attends. Je vais lire ça. Je vais me donner, casse-toi. Une petite fiesta. On va remettre du bois par contre. Mille de bois. Hein. Reste avec celui-là pour l'instant. On fera les champs un peu plus propres quand on sera passé en période tropicale. 23, 19. Il fait un chouïa frais là. J'arrive pas à les tirer de là-dedans. Recherche un mini, porte automatique. Merci. La bière, on a cherché. Raffinage. J'ai besoin de chemfuel un moment. Je vais vous faire des petites recherches pour l'instant. 23, on est bien. Corps est victime de notification alimentaire. Fait plaisir après tout ce qu'on vient de faire. Ça fait plaisir. Il y avait pas beaucoup de lumière ici. Mis vraiment comme l'autre. Mais... bien à faire. Non, l'autre, il y en a que 3. C'est pas grave. Ah ouais, ils sont obligés de passer par là. Peut-être juste une double. Non, je crois qu'on en avait des jolies, non? Ouais, genre ça, porte ornementée. J'ai pas 50 d'or? Je suis mort, j'ai même pas un d'or. Je peux... non. Je peux pas l'avoir d'autre chose? En jade. Ah, il vaut quand même les 50 d'or. Salaud, salaud. Ben, mais nous, non, peut-être pas. Une, deux. En automatique, on s'en fout. Une deux par deux là. Entre les deux lumières. Chaman, le pack de la forêt, ok, cool, venez. On va remettre un peu de bois. Et 21, 20, 20, 16 ici, un chouïa frais. Mais dehors il fait 18, d'accord. Ah donc ça tourne, c'est bon, ça tient. Ok, est-ce qu'on peut me remplacer? Est-ce que je peux avoir des portes automatiques? Peut-être là, peut-être en marbre sur les extérieurs, non? Oh non, on s'en fout, non, non. Des mots en bois. Là, là. Là, là. Le reste, j'ai pas besoin que ce soit en automatique. Au moins là, qu'ils perdent pas de temps. Et donc là, on se fera le truc à bière. Ça me va bien, ça me va bien. Ok, on est plutôt propre. Les gitans forains, ils viennent d'arriver. C'est qui notre gars là? Notre geôlier, c'est Iba. Iba, amène-toi. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Pouvoir flâner. D'accord, bonne nuit. Tu nous proposes rien, gros. Hein. On dort. Oh, j'ai plus de pognon, gros. Je peux pas te vendre des trucs, moi, par contre. 7 balles, l'herbe. Si je t'en vends 120, là. Non, merde. 120. Tu me donnes 800 balles? Vas-y. Le marché conclu. Ça te met bien, ça me met bien. Ça remonte un peu les caisses. On est bien. Ok. Oui, là, on va refaire ça, quand même, oui. La tête de foutre de la gueule du monde. Déplacer. Voilà. On va leur mettre un peu d'espace. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire... d'embellir un peu la pièce. En jade. C'est 70. Et de la jade, on en a... 70. Ah, on pourra pas en faire deux. Ok. À toi. Déplacer là. Ok. E-boy, victime de terre. Ah, merde. Bah, depuis que j'ai fait la... Oh ouais, ok, bon, au moins il passe pas par, par le frigo. Depuis que j'ai fait la cuisine et tout en temps séparé, j'ai plus d'intoxication alimentaire. Quel enfer! Alors le billard qui est éclaté dans la porte d'entrée, c'est pareil, on peut peut-être se le bouger au moins là. Oh oui, bien au centre de la pièce. Ok, on n'a rien d'autre en loisir de toute façon pour l'instant, on n'a rien débloqué d'autre. On le tire à l'art avec des mannequins d'entraînement, mais il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télé, il n'y a rien de tout ça. Ok, là pour moi ça me paraît bien. On va quand même se mettre juste en prévision. Établi de brassage. Avec une porte automatique du coup aussi là. Ouais. Et du coup aussi là je vais passer en porte auto en vrai. Coûte cher mais bon. On en refait du pognon, je mettrai là aussi en machin. Ok. Je vais te mettre ici. Est-ce que toi... Pour une fois que t'es installé. J'ai de quoi te mettre un fauteuil? Je pense que oui. Je prépare, je prépare. Cora qui dégueule, Cora qui est enceinte? Non, Cora qui est juste intoxiquée. Tout va bien. Se rajouter un peu d'éclairage aussi. Ici, on est un peu sec, je trouve. Excellent, le fauteuil. Parfait. Moult, détail. Non. En boucle. Et ensuite, on va scaler du tonneau. Tonneau du tonneau. Non, prod. Les avoir en acier? Non, c'est pas vraiment qu'en bois. Honnête. J'en arrive à remplir tout ça, sera pas mal. Ok, je donne un petit air. On aime bien. Il faut l'acier quand même. Ouais, pour les anneaux. LOL. Ok. Ok, bon bah je pense que là, cette zone là, elle est parfaite. Allez, un chouïa, histoire de dire, de faire les choses comme il faut, parce qu'on n'est pas des animaux. Bon, je fais un chouïa d'éclairage. À chaque angle. Petite porte. Là. Ok. Ok. Porte, petite porte. Petite porte, petite porte. Allez, go. C'est parti. Tout l'éclairage autour. Et ce bâtiment, il est quasiment fini. On avait fait le sol, c'est pour ça que j'avais perdu beaucoup de bois, le sol incroyable dans les chambres. On fera sûrement dans le même style là. Super. En termes d'électricité, on est encore bien. Voilà. Ce bâtiment est quasiment fini. Peut-être se mettre des clims à un moment. Ici, et pourquoi pas ici. Après, tout peut être relié là. Hein.
Ah, tout est relié de toute façon. Ok. C'est pour ça qu'on tient bien. Et le frigo est bien à moins 7, vous voyez. Je passe beaucoup par le frigo, mais bon. Il passe par le frigo en fait. Si je stoppe cette porte là. On cherche un mini raffinage, merci. Mais il passe beaucoup moins par le frigo. 5 colonies actives, 5 colons qui se la touchent. Je sais pas, vous avez des trucs à chasser. Oh! C'est vrai qu'on avait demandé des saloperies là. Ça nous attaque ça? Oui. 50%, d'accord. Bref, bien. Les boumas, pas tout de suite. Les alpagas. On a encore des animaux. On n'avait pas fait d'élevage ici. Non, on n'avait pas fait d'élevage ici. Oh, mais tout ça, ça va être flingué, mais. Ouais, bah, les panthères, ils vont bien me les rincer, non? Oh, les porcs. Il est porc par million. Ça. Ah, ça attaque. La fission. Ouais. Les chinchillas, les guenons, creux. Ah mais les guenons sont déjà là. Attends, on est déjà en train de passer en mode... Oh mais oui. Moi j'étais bloqué là comme un con. Et c'est pour ça que le temps serait chaud. Extérieur 30 degrés, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui mon béli. Alors attends. Pensez pas à me couper tous les chauffetons. On récupère un max d'énergie. Ouais. Quasiment doublé. Visite en chauffage. Ok, 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 ok. Oui, donc vas-y, bah repartez, faites votre vie. Là, on réactive la semi-auto. Même si, attends, attends. Est-ce qu'on se referait pas les champs un peu jolis? Vengeance de léopard. Ça va bien se passer ou ça va bien se passer? Ça va mal se passer, ça va mal se passer. Oh et oh et. Oh mais putain. Non, mais ça le réactive pas, putain. Ah, le léopard, le léopard, le léopard, salopard, oh le léopard. T'as la mordiba? Oh la mordiba là? Azorka, 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 ah, t'es au couteau. Ok, c'est qui mon doc? Les 4. Elle a stabilisé. Ok. Ok. Mais dis donc. Le 4, t'étais au bout du rouleau là. Ok. Il a dit infection pour Iba, merde. Va direct en gros médoc Iba. Ok. Hop, petit plat. Ok, oh, Dom est pas soigné. Elka, tu peux soigner Dom? Game non plus. B-Boy, t'es où B-Boy? B-Boy, il... Je vais vous faire cheval, là, faut dire. Un GM, s'il te plaît, gros. Il y a quand même 7 en médecine, B-Boy. Maladie infection. Oh, Iba, encore une deuxième infection, Iba? Oui, t'as cartonné le cougar là. Ça me paraît pas mal. Hein. Peut-être lui mettre 4 médocs et puis on sera bien, mais ok.
Bon, ok, ils sont repartis à la chasse. Nous. On peut pas changer le sol, là. J'ai pas mis un truc pour tricher au sol, là, non. Non, hein, je peux pas. Faut vraiment que je me débarrasse de ce taux, quoi. On pourrait faire ça. Là, en vrai, on est bien. Si je veux agrandir, je pourrais agrandir les chambres par là. Sans problème. On va aussi agrandir ça. Et là, je pense qu'on va avoir toute la partie atelier, fabrication. Donc, de dispo, j'ai cette partie-là, mais qui est emmerdée par de l'eau. J'ai cette partie-là. Alors, attends, je vais leur envoyer plusieurs trucs à faire en même temps. Déjà, commencer par... On en est où en termes de... Le granit, c'est 861. Combien ça me coûterait, par exemple, si je voulais changer toute cette saloperie en granit? À 50. Commençons par ça. Bien les barrières en granit et tout, je veux tout soit en granit en vrai. Bon, les pièges, c'était pas franchement utile. Écoute, déjà, on va laisser s'occuper de faire ça, ils vont en avoir pour 8 ans. Là, ils ont déjà replanté les champs, merde. Alors, zone agricole, là, on veut. C'est du riz. Ah merde, il y a du... On voit rien avec la neige. Pour moi, un seul de la triche, là. On installe des jolis champs. Je sais pas si j'ai besoin de tout faire, mais bon. Ça les occupe. Après, on voit qu'il y a des colons d'actifs. T'es toujours en train de faire le piège, là? Et t'as abandonné? C'est 360 de travail pour changer un piège. Ah ouais. Eh ben, ça va leur faire des points en construction, hein. Ah, la vitesse à laquelle il prend juste pour travailler sur le piège. Bah après, il a une double passion en plus, Zorka. Quête active, la cabane remplie d'objets de valeur. Ça nous intéresse par contre. Avec une griffe génétique. Putain, mais c'est nul, gros. C'est méga nul, gros. J'ai pas envie d'aller risquer méga pour une griffe cinétique, quoi. Enfin, énergétique, pardon. J'ai une petite main composée de griffes mortelles à chaque doigt. Elle coupe profondément au combat. Ces puissants mini-cerveaux moteurs peuvent écraser un crâne comme une main naturelle écrase un œuf. Les lames peuvent être rétractées, ce qui la rend aussi utile qu'une main bionique pour des tâches ordinaires, mais quelque peu imprécise. Elle ralentit légèrement les mouvements. C'est ça qu'elle donne envie quand même. S'il y a un mec qui perd une main à un moment. On n'est pas très loin, on n'est pas très 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 loin. Il y a l'autre vieux à les sauver, mais c'est hors de question, bien évidemment. Genre Zorka, il est... C'est corps à corps, lui? Ah ouais, ça lui ferait du bien, lui, ça, une main comme ça. Il aura même pas besoin d'armes, du coup, je suppose. On va tenter. On tente la caravane? On se fait une petite sauvegarde? Ouais, sur la... Une petite sauvegarde. On va le tenter, on va le tenter. Ça va nous mettre un peu d'action pour cette fin d'épisode. On va se prendre du coup Zorka pour le corps à corps. Mais il est qu'un couteau, c'est pas ouf. Gora, on va prendre tous les mecs avec des flingues. On partira à 4 gars, 5, un cinquième. Monsieur Papa, là, hop. Peu importe. Là. 27 places, pas un peu beaucoup. Genre 15, ça vous suffirait pas? Ça me dessine. Cette caravane n'a que 2 jours de nourriture. Ouais. Genre 20. Ouais. Bon bah 20, bah ouais. Allez 25, 25. Oui bah ça ira bien, ils se démerderont. Ils vous feront des épées. J'ai pas d'animaux de trait, j'ai pas de sac de de voyage, j'ai pas de sac de couchage. J'ai demandé des gros travaux. Bon. Et j'ai envoyé tout le constructeur. Quasiment. Quasiment. Ça va pas sans construction ma foule. Dom aussi. Pampas, il a 4, passe en construction. Les autres sont vraiment trop nuls.
Et Pampas, il est déjà sur la chasse et la cuisine. Laisse un tout petit peu tomber la chasse et la cuisine. Oh, j'aurais dû faire ça hors vidéo, je suis désolé, j'ai un peu déconné là, je pense. Ça va prendre un temps fou. Le but, ça va être quoi? De doubler, voire tripler les murs? Là, voilà, on avait mis vraiment large, là. On a peut-être pas besoin d'autant, en vrai. Même si on se tape des dragons, des saloperies, il n'y a pas encore trop d'animaux ultra vénères. On n'a pas tué non plus tous les animaux, en même temps, tous mes chasseurs sont pas en 1. Mais on n'est pas vraiment en manque de bouffe. Putain, c'est dégueulasse, il nous faudra les robots. Il nous faudra les robots nettoyeurs. J'ai le temps de voir si elle montait rapidement. Malgré le fait qu'elle n'ait pas de passion pour le truc. Nos potes sont pas loin d'arriver. Là, c'est vrai qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose aussi. Mais attends, on termine la zone du bas. On termine la zone du bas et on attaque nos champs. Le replacement de nos champs. On va replacer nos champs proprement. Ah, vas-y, ouais, on s'en fout. Ouais. Mais peut-être pas dans cet épisode. Du coup, on va terminer sur la mission. Et puis ça, je le laisserai tourner un peu. Je vais pas vous bourrer avec des conneries comme ça. Ah, voilà. Nickel. Okay. Le gun est activé. Nickel. C'est gratuit. Il y a quoi à récupérer? Il n'y a rien. Bon. Eh bah écoute, elle était free celle-là. On allait se retrouver face à des saloperies, mais même pas. Article, la main, oui, le couteau, les urnes, non. En calcaire, mur en calcaire, métal, 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 métal. Non, mais vas-y, go. Oh. Donc, petite sortie rapide. Le vieux, vraiment, je peux pas aller chercher, les potes. Les os. Mais ok, je suis très content de cette glacière qu'on a passé, mais easy. Mais comparé à ce qu'on prend dans la gueule, sur ce qu'on a pris dans la gueule, en tout cas, c'est fini. Dans l'autre saison, là, avec l'anomalie. Là, je suis étonné, tu vois, que le jeu soit gentil, quand même. On a eu des hivers volcaniques, on a eu vraiment les pires trucs, quoi. Le chien, il fait sa vie. Oh, ça me paraît plutôt net, d'ailleurs, il est dressé, ce con de chien, là. On s'en... Oui, parfait. Bah, super. T'as un chéri, mage noir. C'est bon, c'est ce que tu veux, y a pas d'emmerde, mage noir. T'es content d'avoir ton chien? Tu t'en tabasses? Tu t'en tabasses, ok. C'est-à-dire que t'es heureux. Ok, ils ont commencé là-haut? Non, ils vont me finir ça avant. Ouais. Désolé, j'ai fait le con. Je pourrais annuler, mais en vrai, maintenant que c'est fait, je ferai un épisode un peu plus court aujourd'hui. C'est pas de mal. C'est beau, j'en sais rien. Est-ce que je roule la carrière? Non. Par contre, est-ce que je pourrais pas... Ils ont le training en 4. Hein. Vu qu'on les voit se toucher les zizi à des moments. Donc ils ont le training là-bas, on peut leur mettre par là quelques petits sacs d'entraînement quoi. Loisir. 24 pour les arts martiaux, 24 pour le tir à l'arc. Voilà, on va mettre quelques mannequins pour le tir à l'arc, j'ai l'impression que ça va peut-être pas forcément... Mais hors de la base. Son ennemi peuvent aller tirer, peuvent aller tabasser des saloperies. On est bien. Bon, en vrai, tout ce côté-là, il va être incroyable. On va avoir une sécurité de dingue. Je doublerai les murs, évidemment, là. Peut-être même tripler. Ok, c'est tout en train de se transformer. On va remonter nos stocks de bois. On va pouvoir, du coup, transformer aussi tout notre salon. Et, enfin, tout ce qui nous reste en bois, le passer en super beau bois. Et des robots. Et après, je pense qu'on va s'attaquer dans le prochain épisode à tout ce qui sera atelier, production et tout le bordel. Histoire de se mettre très très bien. Petite salle de recherche aussi quelque part. Et j'aurais bien aimé réinstaller les champs là, dans cet épisode. Ça va pas être possible. Ouais, non. On va mettre trop de temps à faire ça. Donc là, bon, on est déjà à 50 minutes. Écoutez, je sais que vous aimez bien quand les épisodes sont un peu plus, mais...
Je vais pas pouvoir raconter des conneries pour juste gagner du temps. La flotte, là, c'est chiant. On pourrait faire le truc de pompe hein, pour retirer la flotte. Hein. La recherche. Ouais. Les rivières, ouais, je sais pas la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé? Caravane arrivée, ok. Ok, ok, ok. Une bonne nouvelle. On a quand même... Oh, Cactus qui verra ses éléphants, il serait comme un dingue. Non, on a rien de... J'aurais pu garder quelques alpagas. On va arrêter de flinguer les panthères, là, vous faites déboîter. Oh, les raptors shrimp, là. Attention là. Ouais, ok. Oh, le petit couple de raptor chic là. On compte sur toi, on compte sur toi, mon. Mon mage noir. Mon mago. Black mago. Ok. Hyper long, c'est hyper long du cul. Oh, mais les points qu'ils doivent prendre. Ah, je vais remettre tout le monde là, vu qu'ils sont revenus. Alors attends. On avait Pampas qui était en 1. En 1. En 2. Je fais la ferme avant. Pasti avant. Ok. Dom. Constructeur en 1, tu vas passer en 2. Tu fais de ça et ça, ouais. Cora, non. C'est Sarah après, ouais, parce que Sarah, elle a pas de passion pour la construction. Par contre, n'hésitez pas à tous être en 1 en chasse, en vrai. Ça vous fera des points. Enfin, sauf Zorka, ouais, voilà, Zorka non, parce que c'est un corps à corps. Vas-y, ça me paraît pas trop mal, là, comme ça. Ça me paraît pas trop mal, on va voir. Comme si on pourra reprendre les champs, mais bon, le problème, c'est qu'ils plantent, alors je vais les supprimer après. Je laisserai peut-être pas pousser un premier truc, c'est quoi, ça? Blum de neige, putain. Arrêtez de faire les cons, j'en supplie. Bon, bah écoutez, petit pote. Allez, je vais arrêter de combler avec des conneries, on va s'arrêter là. Le petit biome jungle qui a attaqué. Bon, le biome truc qui est passé très vite. Hein, est-ce que, après, est-ce qu'on n'augmenterait pas? Sinon, on peut augmenter, vous me direz ce que vous en pensez. Comment il s'appelle? Chaos Nature, je crois, un truc comme ça. Les animations. Chaos Combat, Chaos Nature. Je peux, là, voilà, cycle de changement, on peut le passer. Tous les X jours, le biome de la carte change, calculé à partir de la date de début de jeu. Je peux l'augmenter à 60 jours pour qu'on reste plus longtemps dans les biomes, ou au contraire le diminuer. On le passe à 15 jours, mais bon là... 15 jours, c'est cool quand t'as du désert et de la glace. Tout est autorisé, je crois. Forêt, glacier, Ferrari, toundra, tourbière. On a juste de la chance pour l'instant. Le mondial aléatoire. L'ensemble de toutes les factions sur la carte du monde et le biome du point de quête est surdéterminé de manière aléatoire, ouais. Oh mais vas-y. On peut diminuer un peu le temps, ou l'augmenter au contraire. Parce que là c'est vrai que c'est passé assez... Après j'ai laissé un peu tourner le jeu, mais en vrai il s'est rien passé. Hein. Vu qu'en fait, pour l'instant, je trouve que le jeu... On est encore en difficulté. Peut-être regarder un peu ça. Ça y est, vous le sentez. Vous le sentez, l'enculé. Il est en train de se faire chier la tub. On le double. Échelle de mana, on la passe à 500% pour le prochain épisode. Ah, c'est juste qu'on veut pas ça, nous. Menaces majeures. Autorise les menaces majeures telles que les raids, les infestations, les groupes de chasseurs d'hommes, les vaisseaux mécanoïdes écrasés et bien plus encore. On va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça, voir s'il peut pas nous bourrer un peu plus le fion de trucs, lui. Et genre, ouais, bah, l'hiver volcanique, pluie... d'acide là, des trucs des enfers. Bon allez, bon bref. Eh bien écoutez les potes, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, me lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. Si vous avez des idées de ce qu'on pourrait modifier de tout ça, n'hésitez pas. Comment rendre le jeu un peu plus dur, même des modes, hein, parce que là on a rajouté les modes alpha des bêtes, mais... D'ailleurs, est-ce qu'on va arriver? J'ai peut-être... Ah merde. Ça va peut-être me recruter les raptors sans vous. Mage noir, il fait quoi là par exemple? Il chasse la tortue, mage noir. T'as tenté le dressage gros des... Ou t'es trop petit? Interaction avec les mâles trop récente. Ouais, il l'a tenté. Et ça s'est bien passé. T'es en train de mourir toi ou t'es en train de... Il a bouffé un porc. Hop, il a moi le porc. Il y a des giga... Il y a des giga abeilles.
Oh putain, la gueule des abeilles. Et c'est frelon asiatique de sa mère, ça. Ok, allez les potes. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous. On se capte dans les commentaires. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye.